Bienvenue sur Question Directe et bienvenue sur la TFM qui reçoit aujourd'hui M. Kémi Séba. Kémi Séba, activiste panafricaniste, il écrit beaucoup de livres sur la marche du continent. Son dernier ouvrage s'intitule Époque, Obscure Époque, c'est ça? Oui, Obscure Époque. Pourquoi Obscure Époque? D'abord, bonjour mon frère, c'est un plaisir de te revoir. L'une des premières interviews que j'avais faites au Sénégal, c'était avec toi et c'est donc un honneur de te retrouver quelques années plus tard. Obscure époque tout simplement parce qu'il suffit de regarder les faits divers de sa fenêtre, il suffit de regarder la manière dont le monde tourne, il suffit de regarder l'actualité sous un angle géopolitique pour comprendre plus que jamais qu'on est dans l'une des époques les plus obscures des derniers temps du genre humain de manière globale. On est dans une société aujourd'hui globalisée où avec l'effet papillon, le drame des uns devient le drame des autres. Il y a des répercussions à tous les endroits, aux quatre coins du globe de manière générale. Et obscure époque parce qu'aujourd'hui la manipulation, l'instrumentalisation d'un certain nombre d'actions est devenue quasiment une religion. Certains vont parler de complotisme, moi je n'aime pas cette terminologie-là et je ne suis pas complotiste, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des éléments qui sont des éléments réels et avérés, je n'aime pas l'exagération, mais je ne suis pas non plus un mouton qui pense que tout ce que les médias occidentaux nous disent est vérité ou parole d'évangile. Et dans cette dynamique-là, je fais partie de ces Africains qui aiment se poser des questions, qui aiment s'interroger, ne pas suivre bêtement ce que l'oligarchie d'Occident a l'habitude de nous imposer comme vision. Est-ce que nous sommes dans ce que Samuel Huntington avait dit, le choc des civilisations, ou bien ce que d'autres médias occidentaux disent, le choc des religions? Huntington l'avait dit, peut-être pas dans la même orientation idéologique que ce que nous exposons aujourd'hui, mais il est évident que certaines personnes veulent aller vers ce choc des civilisations-là, si tant est qu'on puisse considérer la société dominante d'aujourd'hui comme une civilisation, on pourrait aussi s'interroger sur la nature de celle-ci. Parce que souvent, on nous l'impose comme une civilisation de fait. Une civilisation n'est pas en adéquation uniquement avec la démarche de puissance. Elle est aussi en démarche avec une notion de valeur, avec une notion de principe, avec une notion de concept. Et on peut s'interroger sur le caractère sain des valeurs et des concepts aujourd'hui tels qu'ils sont constitués dans le cadre occidental de manière générale. Maintenant, pour revenir à Huntington, et là c'est un jeune Africain, jeune panafricaniste qui essaie de réfléchir sur ces questions, qui parle, lorsqu'il le disait, c'est parce que lui pensait fondamentalement que de toute façon il y avait une incompatibilité structurelle en réalité entre le bloc dit occidental et le bloc dit oriental ou le bloc dit islamique. Il parlait à la fois sous une sphère régionale et parlait à la fois sous une sphère religieuse. Moi, j'essaie de me placer dans un regard qui est celui d'une troisième voie, qui constate aujourd'hui qu'il y a une réalité. Il y a l'axe atlanto-saoudo-sioniste, et c'est paradoxal qu'on puisse accoler ces trois identités qui sont censées être différentes. Quand on parle de l'Arabie saoudite et d'Israël, c'est censé être deux entités différentes, mais qui au Moyen-Orient se retrouvent beaucoup lorsqu'il s'agit de converger vers la lutte de quelque chose qu'ils considèrent comme dérangeant, en l'occurrence l'axe qui va du Hezbollah, Syrie, Damas jusqu'à l'Iran, qui est un axe qui pose problème aujourd'hui à ces nations-là telles qu'on les voit. Et beaucoup de personnes commencent aujourd'hui même à vous dire, dans ce choc des civilisations, que certaines nations dites même musulmanes, en réalité, font partie de celles qui jouent contre les civilisations dites islamiques de manière générale. Ça aussi, ça vaut la peine qu'on se pose ces questions-là. Et donc, il y a aujourd'hui un choc idéologique réel entre ceux qui pensent qu'il doit y avoir un rapport à la tradition. Et là, pas besoin d'être forcément musulman. Moi, je suis un traditionnaliste. Certains vont parler de tiédo, certains vont parler de vaudouisant, d'autres vont parler de... Et qui s'intéressent à tout ce qui a trait au soufisme, qui a tout ce qui a trait à la spiritualité de manière générale, à la métaphysique. Et qui a beaucoup lu René Guénon, et je constate une chose aujourd'hui, c'est qu'il y a les sociétés traditionnelles, celles qui sont enracinées dans un paradigme spirituel, culturel important. La Russie orthodoxe, par exemple, s'inscrit dans cette démarche, la Chine s'inscrit dans cette démarche, la Syrie s'inscrit dans cette démarche, et c'est pour ça qu'on essaie aussi de la déstabiliser, il n'y a pas que cette raison, il y en a beaucoup d'autres, on pourra en reparler. Il y a l'Iran qui s'inscrit dans cette démarche, le Liban qui s'inscrit dans cette démarche, et il y a en face d'autres qui veulent imposer une vision du monde que certains ont qualifié de soit occidentalo-centrée, qui s'accole avec d'autres paramètres ou d'autres réalités, mais en tout cas qui ne veulent pas de ceux qui veulent
une multipolarisation des forces. Certains veulent uniformiser le monde en fonction de leur propre volonté et d'autres veulent qu'il y ait différents pôles. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une guerre des intérêts qu'on est en train de voir? Certains veulent s'étendre, d'autres veulent simplement tenir, résister. Je dis ça sans angélisme. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas tous un projet, un minimum impérialiste. Tu regardes la Russie, par exemple. Ils ont une volonté aussi de s'étendre dans la région qui est la leur. Ils ont une volonté de briller comme l'ancien empire soviétique l'avait, l'ancienne Union soviétique l'avait auparavant. De la même façon que tu regardes l'Iran, ils ont aussi un projet. Il faut qu'on soit aussi très objectif et qu'on ne soit pas dans une naïveté pure. Ils ont aussi un projet avec leur doctrine chiite qu'ils voudraient voir comme le réel islam et tout ce qui s'ensuit. Ne soyons pas naïfs. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont des contre-pouvoirs, tout comme la Chine aujourd'hui, ils sont des contre-pouvoirs structurels objectifs. Et on le voit sur le cas de la Syrie. Quels sont ceux qui soutiennent aujourd'hui Bachar al-Assad? L'Iran, le Hezbollah, qui est une milice de l'Iran, ou un groupe de l'Iran, la Russie, et la Chine qui vient de rejoindre et qui va entraîner l'armée de Bachar al-Assad. Pensons-nous que ce qui se passe en Syrie est du hasard. Ces gens qui agissent en Syrie sont des personnes qui ont vu que lorsqu'ils n'ont pas agi avec Kadhafi, cela a déstructuré la région du Moyen-Orient, la région d'Afrique du Nord et le monde dans sa globalité. Donc ils n'ont pas voulu répéter la même erreur une deuxième fois et ils ont eu totalement raison. Donc certains ont une volonté d'étendre et d'imposer leur vision, une vision monolithique, excusez-moi, du monde, et d'autres ont pour intérêt de résister, de préserver leur identité et de s'allier avec ceux qui préservent la leur. Dans les années 60, il y avait la mouvance des non-alignés au XXe siècle. Aujourd'hui, la mouvance des non-alignés n'est plus non-alignée sur le bloc de l'Ouest ou sur le bloc de l'Est. La nouvelle mouvance des non-alignés, c'est non-alignée sur le bloc de l'OTAN. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette vision que nous impose l'OTAN. Et ils sont nombreux. Et ce qui est en train de quelque part de créer une force nouvelle, multipolaire, ce sont ces nations qui veulent pousser les peuples du monde à préserver ce qui fait leur lien avec l'humanité, ce qui fait leur lien avec la racine. Et René Guénon le disait quand il disait la crise du monde moderne. Aujourd'hui, on nous présente la modernité comme la valeur la plus absolue, la plus magnifique, la plus géniale. Et on dit que, par exemple, les Africains qui sont amoureux de leur terre, les Africains qui sont amoureux de leur terroir, les Africains qui sont amoureux de leur tradition, on dit que ce sont des sauvages. Mais la vérité est qu'on voit dans le monde qu'il y a des nations qui, tout en préservant leur particularisme, tout en préservant leur patrimoine historique, sont capables de se faire respecter par le reste du monde. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais que les Africains soient capables de s'inspirer, d'entendre. Justement, dans ce rapport de force internationaux, où est l'Afrique? Qu'est-ce qu'il représente? L'Afrique, où est sa voix? L'Afrique, aujourd'hui, malheureusement, est le centre de gravité de ce concert des nations, mais ne s'en rend pas compte, parce qu'elle le subit aujourd'hui. Elle subit une réalité, parce que tout le monde connaît la richesse de son sol. Nous, nous sommes tels des aveugles, assis sur un banc en or massif, qui passent leur temps à faire la manche. On va demander, pour créer une émergence, l'aide de nations qui sont les premières responsables ou co-responsables, parce qu'on a nos propres responsabilités en tant qu'Africains, il faut le dire aussi, mais qui sont les premières responsables de notre pillage, du dépouillement, quelque part, de nos matières premières, on va demander à ces mêmes qui pillent nos matières premières qu'elles nous aident à nous structurer. Il y a un moment où on ne peut pas espérer être respecté par le monde, aux quatre coins du monde, même par les autres pays du Sud, quand on est toujours dans cette dynamique de demander à celui qui nous viole de continuer à accentuer son agression. Il y a quelque part une démarche d'autocritique et d'introspection politique, philosophique, culturelle qu'on se doit de faire en toute urgence. Et dire cela ne signifie pas qu'on est dans une dynamique. Moi, je le dis toujours, je ne suis pas dans une attaque à dominem avec les frères en Afrique. Ce n'est pas du tout ma démarche. Les dirigeants, quand j'ai dit que le plan Sénégal émergent, j'avais une distance critique dessus, non pas parce que je ne pense pas qu'il faille une émergence, parce que je ne comprends pas, comme le disait Thomas Sankara des années auparavant, qu'on puisse demander l'émergence à un pays qui est quelque part responsable en grande partie de notre noyade, de l'apnée dans laquelle on est plongé, apnée parce qu'on résiste, mais on est noyé aujourd'hui par des forces exogènes qui sont dans une dynamique de voir les matières premières, de voir, les richesses de notre sol, de voir ce que nous sommes capables de produire, et en fonction de cela, ils orientent les choses de telle sorte qu'ils puissent se présenter en amis, en sauveurs, en protecteurs, alors qu'en réalité, nous sommes quelque part leurs serviteurs. Et j'ai du mal à accepter, à comprendre qu'au XXIe siècle, on soit encore obligé de se tourner vers ces gens-là, alors qu'il y a une multitude d'alliés que l'on se doit d'avoir. Donc la place de l'Afrique, et je conclue par là ma réponse, très cher frère, la place de l'Afrique sera la place qu'elle aura en fonction de sa capacité à comprendre les enjeux géopolitiques du monde. Si la place de l'Afrique, c'est être toujours dans une dynamique de suivre
les mêmes nations qui ont été responsables de notre délitement et qui ont été responsables du délitement des nations aux quatre coins du monde de manière générale, on ne fera pas qu'on s'étonne qu'on soit toujours à la dernière roue du carrosse. Ou alors, on décide de prendre nos responsabilités, de multiplier les partenariats, de voir d'autres voies comme des tas d'autres nations le font. D'accord ? Des nations qui, aujourd'hui, qui ont été colonisées comme nous hier et qui, aujourd'hui, sont dans une dynamique de pouvoir s'en sortir, elles sont nombreuses en Amérique du Sud, elles sont nombreuses en Asie. On peut multiplier les partenariats avec ces dernières. Il n'y a pas que la France. Mais dans cela, si on regarde bien en Afrique, tout le monde parle d'émergence. Mm-hmm. Émergence au Sénégal, au Gabon, dans d'autres pays. Mm-hmm. Est-ce que pour vous, l'émergence, c'est une autre forme de colonialisme ? L'émergence, le concept d'émergence en tant que tel est quelque chose de positif à la base. Genre dans le texte, on sent dans une dynamique de trouver tous les moyens possibles pour sortir la tête de l'eau. C'est quelque chose qui devrait être nécessaire. Mais dans la réalité, il est évident qu'une émergence qui nous est proposée par ceux, je le dis et je le répète, qui ont un grand bilan en ce qui concerne la spoliation de nos matières premières, un grand bilan en ce qui concerne la déstructuration de nos sociétés, qu'elles soient politiques, civiles, traditionnelles de manière générale, on ne peut pas demander à ces dernières que ces forces-là puissent être des forces qui nous aident à nous élever. Donc bien sûr que c'est un nouvel apanage du néocolonialisme, c'est, j'ai envie même de vous dire quelque part, un concept complètement globaliste, mondialiste, qu'on essaye de vendre aux nations africaines, parce que ce sont les seules qui sont capables de gober ces balivernes de ces anciennes nations qui colonisaient auparavant, qui aujourd'hui se présentent en protectrices. On est les seuls à l'entendre, mais tôt ou tard, il faudra qu'on soit capable de sortir la tête de l'eau et de se regarder dans une glace. Parce que je ne peux pas accepter que dans les années 60 ou dans les années 50, on ait des pays comme l'Inde qui n'étaient pas dans un meilleur état que nous, qu'on ait des pays comme en Amérique du Sud qui n'étaient pas dans un meilleur état que nous, et qu'aujourd'hui, ces pays-là soient complètement sur la voie du développement, soit complètement sur la voie de la souveraineté, soit complètement sur la voie de l'autodétermination, alors que nous sommes toujours en cette dynamique. Est-ce que c'est pas parce que ces pays-là ont pris le dossier en main, ont décidé de miser sur l'éducation, alors que dans notre pays, on continue aujourd'hui à être instruit avec des manuels? Mais vous avez tout dit. Qui viennent d'ailleurs. Vous avez tout dit. Et il faut même aller plus loin. Ce n'est pas simplement des manuels qui viennent d'ailleurs. C'est des manuels qui viennent de ceux qui nous ont colonisés avant. Donc c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait indépendance, mais dans les faits, strictement rien n'a changé. L'instruction que nous recevons sur le continent africain est une instruction qui a été faite par celui qui voulait nous assujettir. Or, on sait très bien que pour incarcérer quelqu'un dans l'esprit, il faut lui donner une éducation qui va dans le sens de lui faire penser qu'il est inférieur à autrui. De telle sorte que lorsque des personnes qui sont pourtant brillantes, comme les dirigeants, je ne veux pas croire qu'elles sont... Je ne fais pas partie des gens qui vont dire qu'ils sont bêtes pour être bêtes, ou pas, s'ils ne réfléchissent pas, c'est pour ça que le Sénégal n'avance pas ou que l'Afrique n'avance pas. Non, je pense que ce sont des gens qui sont instruits. Mais leur instruction est une instruction cancérigène de telle sorte que lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils arrivent à la magistrature suprême ou aux plus hautes fonctions, leur plus grand rêve, quelque part, c'est de ressembler à l'Occident parce que c'est l'instruction qu'ils ont reçue. Alors qu'à un moment ou à un autre, la Chine, l'Inde et des tas d'autres pays se sont centrés sur une instruction, j'ai envie de dire, endogène, réellement, en harmonie avec leur paradigme culturel, en harmonie avec leur paradigme historique, et c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. Mais lorsqu'on est dans une dynamique aujourd'hui, on finit toujours par croire que la France, on nous enseigne que la France est le pays des droits de l'homme, sans nous dire, parce qu'il faut donner des particularismes, que dans cette histoire-là des droits de l'homme, lorsque la déclaration des droits de l'homme a été effectuée, les Africains, nos frères et sœurs africains, étaient faits esclaves. Ils n'étaient pas considérés, ils n'étaient pas concernés par cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Ça, personne n'aime le dire. Je veux dire qu'il faut qu'on soit capable de briser ce mythe-là, qu'on s'est forgé de celui qui est supérieur et nous qui serions inférieurs. Je sais que quand je dis ça, certaines personnes qui sont des francolâtres, des amoureux hystériques de la France, il y en a quelques-uns aussi ici, m'en veulent. Ils disent, Kémi Séba, arrêtez d'importer votre haine vis-à-vis de la France. Je ne déteste personne. J'ai des tas de gens qui m'aiment en France, contrairement à ce que les gens veulent faire croire parmi le peuple. C'est vrai que les dirigeants ne m'aiment pas. Pourtant, dans ces pays africains qui subissent, il y a quand même un pays qui semble montrer la bonne voie. Mm-hmm. Tout le monde parle du Rwanda. Moi, je ne suis pas sûr que le Rwanda soit cette bonne voie telle qu'on nous la présente. Et la question qu'il faut se poser, très cher frère, qui décrit le Rwanda en priorité comme un bon exemple? Avant les pays africains, qui décrit le Rwanda comme un bon exemple? Ce sont toujours les nations occidentales qui voient dans un Rwanda qui est parti du chaos et qui, en prenant justement des partenariats américains en grande partie et en anglo-saxon de manière générale, en mettant la France de côté, mais en prenant en tout cas des nations occidentales qui pèsent aujourd'hui, en jumelant leur développement avec ces dernières, en créant des partenariats assez importants sur le terrain économique, ont été capables de développer un PIB qui était au point mort au départ et qui aujourd'hui est beaucoup plus important. Il y a des infrastructures qui sont créées, mais en fonction
de quels intérêts, en fonction de quelle vision, en fonction de quel objectif. Est-ce que le Rwanda est un exemple? Lorsque les milices rwandaises, en compagnie de certaines milices ougandaises, créent le chaos au Kivu aujourd'hui, est-ce que le Rwanda est un exemple lorsque tous ceux qui s'opposent à Kagame sont incarcérés et sont victimes de violations des droits réels de l'homme et non pas les droits fantasmés que l'on peut retrouver à Paris? Il faut qu'on se pose des questions sur ces modèles imposés par l'extérieur, mais qui ne sont pas forcément en harmonie avec nos réalités intérieures. Donc moi, je le dis, j'ai une vision d'un Rwanda, parce que je connais tellement de jeunes Rwandais qui sont brillants, intelligents, etc., et qui eux-mêmes vous diront que le Rwanda qu'on vous présente comme le modèle n'est pas tant le modèle que ça. Tout comme le Congo, je n'en parle même pas, et les pays de la région, c'est un drame. Mais faisons attention là aussi, encore une fois, quand on parle de refuser le colonialisme, ça consiste aussi à refuser le colonialisme médiatique qui nous dit, parce que France 24 ou parce que telle ou telle chaîne a dit que ce pays-là est un pays modèle, tous les Africains doivent le répéter. Je suis désolé que les choses, à mon sens, sont beaucoup plus complexes que ça. Oui, mais dans tout ça, quel est le rôle qu'on doit jouer les sociétés civiles africaines? La société civile africaine doit être en réalité le centre de gravité de la politique au XXIe siècle. Il y a Jen Sharp qui disait dans les années 80 qu'il y aura un transfert. C'est le géopolitologue américain qui disait qu'il y aura un transfert du pouvoir entre le XXe et le XXIe siècle. On passera d'un pouvoir qui était dans la sphère électoraliste, dans la sphère de l'administration suprême, qui descendra vers la base. Cette base-là étant constituée par la société civile. On l'a vu dans toutes les dites révolutions qu'il est. La plupart ont été manipulés, il faut aussi être capable de le dire sans avoir peur d'être taxé de complotiste. Il y a eu une désorientation de ces révolutions qui partaient de principes sains au départ et qui ont été réorientées par des intérêts complètement exogènes avec des gens qui étaient cooptés par la suite. On pourrait les lister, mais on n'aurait pas le temps à 26 minutes de le faire. Et dans cette réalité-là aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie et même en Europe, Podemos en Espagne, Nuit debout, même si j'ai beaucoup de distance critique avec ce mouvement qui est un mouvement qui ne représente pas tant le peuple, ça représente surtout les blancs français d'une certaine classe sociale et pas forcément le prolétariat dans sa globalité. On pourrait s'interroger et se questionner dessus. Mais dans cette dynamique-là, partout dans le monde aujourd'hui, le peuple prend ses responsabilités dans sa réflexion critique vis-à-vis du pouvoir. Et nous, nous disons que nous avons besoin d'une société civile autonome. Nous avons besoin d'une société civile qui n'accepte pas, excusez-moi de ce que je vais dire, mais les fonds de USAID, qui n'accepte pas les fonds de George Soros, qui n'accepte pas les fonds de toutes ces officines qui ont un agenda précis, qui se présentent en philanthropes, mais qui sont en réalité des extensions, d'accord, du gouvernement américain ou d'un certain nombre de nations occidentales. Et quand je dis ça, certains me disent « Kémy, tu dis ça, parce que toi-même, tu t'allies avec le Venezuela, tu t'allies avec l'Iran, etc. » Je suis assez surveillé pour que si je reçoive de l'argent de ces nations-là, je pense que ça aurait fait le tour du monde depuis en réalité déjà très longtemps. Si la société africaine n'a pas les moyens au jeu de faire sa politique, comment elle doit faire pour avoir les moyens de mener son combat? Déjà, je pense qu'il faut qu'on... Et c'est pour ça que qu'on a contribué à créer un mouvement citoyen qui s'appelle Urgence panafricaniste. Les comptes sont très, sont très traçables. On n'est pas extrêmement riche. Pourtant, en peu de temps, on a fait énormément de choses, que ce soit pour la Mauritanie, pour le CFA, pour un tas de problématiques sur le terrain social ou politique. La première chose, déjà, c'est d'être capable de lister les richesses et les potentialités économiques qui sont les nôtres. Contrairement à ce qu'on pense, la diaspora est un vivier d'investissement illimité, un degré qu'on ne peut pas imaginer. Quand on voit le nombre de fonds qui sont transférés d'Europe jusqu'au continent africain, on se rend compte que plutôt que d'attendre systématiquement que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France ou que ce soit les ONG occidentales qui nous soutiennent, on devrait songer à se tourner, à mettre à contribution, pourquoi pas même dans des impôts révolutionnaires ou des impôts qui pourraient être considérés comme panafricanistes, la diaspora pour qu'elle contribue sérieusement à soutenir les mouvements qui sont sur le terrain. C'est ce que nous faisons à Urgence panafricaniste. Nous sollicitons l'aide de ceux qui sont en Europe, qui triment. Certains sont des éboueurs, certains sont des infirmiers, certains sont des infirmières, certains sont des boulangères. Mais l'argent qu'elles récoltent là-bas, ça, c'est toujours plus important que ce maudit franc CFA sur lequel on pourrait revenir aussi, monnaie de singe qu'on nous impose comme une monnaie prouvant en réalité quelque part notre infériorité sur le terrain structurel et économique vis-à-vis des autres. On pousse ces derniers à faire en sorte de pouvoir soutenir les activités qui sont les nôtres. Il faut qu'on arrête de croire que le bonheur vient toujours d'une sphère extérieure à notre peuple. Il y a des gens dans notre peuple qui ont des moyens illimités. Il n'y a pas que des pauvres chez les Africains. C'est faux. Mais non, il faut pousser ces Africains-là qui ont les moyens de leur politique ou les moyens de faire bouger les choses à s'orienter vers des objectifs de construction et de développement endogène de nos populations. Ça, on a cette possibilité de le faire. C'est une voie dans laquelle on se lance. Et je pense que la société civile aujourd'hui doit elle aussi s'imprégner
complètement de cette conception et de cette compréhension des enjeux géopolitiques. Si elle va dans une dynamique où elle sait quelles sont les forces en présence, si elle va dans une dynamique où elle sait quelles sont ces forces qui sont capables de corrompre tel ou tel groupe en Europe de l'Est, tel ou tel groupe dans le monde arabe, tel ou tel groupe en Amérique du Sud, elle sera beaucoup plus réceptive ou beaucoup plus plutôt prudente dans sa façon de gérer les choses lorsqu'elle sera face à ces mêmes forces qui tentent de venir les coopter. Voilà. Kémy Séba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes activiste et panafricaniste. Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Obscure époque », un livre qui évoque aujourd'hui ce qui se passe à travers le monde et sur notre continent. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Merci infiniment. Au revoir.